Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Quand vous montrez comment vous êtes capable d'avoir votre pin location et à toute personne qui a envie d'avoir votre localisation. Donc, je ne pas connaître mon Feli par WhatsApp. Donc, cette vidéo-là est assez simple et Feli pour être capable pour être surtout une personne qui n'est pas habituée à avoir votre pin location. Donc, vous comprenez, assez compliqué. Donc, il y a une affaire assez simple. Du moment que je finis de télécharger l'application WhatsApp, et les super simple pour avoir votre pin location. Vous avez deux façons pour faire l'île. Donc là, comment je peux trouver dans mon téléphone, mon fini ouvert WhatsApp. Donc malheureusement, on va vous montrer comment moi le rentable. Mais donc du coup, voilà, j'ai ouvert WhatsApp, hein, WhatsApp, voilà. Et je pour gagner, voilà, par exemple, là, on peut envoyer un message, mon vieil écran de message, mon caractère pour message à portée de là. Mais voilà, dans ce cas, on peut envoyer un pin location. Donc c'est assez simple. Donc si mon envie share mon pin location avec cette personne, par exemple, mon envie share mon pin location avec, par exemple, teaser.mu. Donc, la vidéo là est basée justement pour partage au pin location avec teaser.mu. Donc, ce que vous faites, vous trouvez un petit attachment qui est juste là, quand ma souris était ici, à côté. Donc, vous appuyez le là. Et là, vous commencez à gagner plusieurs options, notamment document, caméra, galerie, audio, location. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment location. Donc, vous appuyez le location. Et là, vous gagnez un message. Donc, des fois, donc là, vous avez show key ou location, ça veut dire ou chose allumée. Donc, si jamais il n'est pas allumé, vous pouvez gagner un pop-up qui vous dit voilà, active ou location. Vous venez cliquer le OK. Mais dans ce cas de figure, voilà, il peut apparaître comme ça. Et à partir de là, vous avez deux façons pour avoir ou pin location. Vous êtes capable share ou live location et vous êtes capable aussi share ou current location. C'est quoi la différence entre share live location ou current location? C'est que live share, quand vous share ou live location, il y a une layer d'expiration. Voilà, donc du coup, il y a une hours qui est capable de déterminer. Et après, voilà, après 1 heure, si je ne me trompe pas, après 8 heures, approximativement, si je ne me trompe pas, il finit expiré. Link là finit expiré, la personne n'est pas capable de trouver où dans location. La différence, c'est que quand vous avouez send your current location, c'est-à-dire que vous avouez au positionnement actuel, et là, vous trouvez ici accurate, vous pouvez trouver IPDSAN. Donc, il fait l'IPDSAN, c'est que l'IPC géolocalise où. Vous connaissez exactement que ça où était. Donc, on va descendre le plus bas possible et à partir de là, vous cliquez le Find your current location et vous êtes capable éventuellement d'envoyer une localisation exacte à la personne qui a envie de nous pin location. De la même façon, vous êtes capable aussi share ou live location. Pendant qu'il y a une contradiction, on peut aussi share ou live location. Mais voilà, live location, on peut trouver mon CGO plutôt. On a la possibilité de share ou live location avec une durée. Hein, une durée de 15 minutes, une durée d'une heure, une durée de 8 heures. Voilà. Et c'est le maximum. Donc là, nous pas conseillons, si vous l'envie, la personne vient faire une livraison donc, chez vous. Donc, vaut mieux avoir ou location, current location. Voilà. Donc, ça, c'est recommandé. Ou sinon, capable aussi, dans le cas contraire, maintenant, de finir connaît, comment faire pour avoir ou live location et aussi ou current location. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et on apprécie l'y. Et il est capable de servir dans au quotidien. Voilà, une vidéo en créole. Et mon envie, c'est d'aller pour capable d'aider une personne qui servit Pin Location. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.